Je me tourne vers toi, donc Toute Une Anne, merci d'être parmi nous. Tu es militante aux côtés des familles de victimes de violences policières notamment. Et précisément, donc, dans ces dernières manifestations, on a vu aussi une présence importante des familles de victimes de violences policières. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur pourquoi d'après toi et surtout aussi par rapport peut-être aux semaines précédentes, comment cette jonction elle s'est opérée? Alors en fait, cette jonction pour moi, elle se fait naturellement parce qu'en fait, les familles des victimes de violences policières sont dans ces combats-là depuis en fait énormément d'années. Donc en fait, c'est juste une continuité de leur combat. Les familles de victimes de violences, en fait, ça fait des années qu'ils combattent tout ça un peu à leur manière, comme ils peuvent. Et ces familles sont souvent issues des quartiers populaires, donc subissent en fait de plein fouet énormément de choses qui découlent en fait du système, du capitalisme, de tout ça, tout ce qu'on voit malheureusement dans les quartiers populaires, tout ça pour les violences policières ou autres. Donc leur combat vraiment, il est, comment dire, ils sont touchés de plein fouet par toutes ces nouvelles lois. Donc le fait qu'ils soient là, eux, en fait, on a toujours l'impression que c'est eux qui viennent un peu se greffer aux nouvelles manifestations, mais en fait, non. Pour moi, c'est plutôt le contraire. Ces personnes-là étaient dans ces combats-là depuis énormément d'années. Et c'est plus depuis qu'il y a eu la médiatisation de toutes les violences, il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup de. C'est le bon côté des médias de temps en temps, mais en général, voilà, c'est problématique parce que dans les quartiers populaires, en fait, toutes ces violences-là, elles sont invisibilisées par les médias, les politiques qui font énormément de lois répressives contre eux. Et c'est pour ça que ce n'est pas nouveau, en fait. Donc, comme je dis, la jonction, en fait, elle se fait naturellement. Comme on peut dire, en fait, enfin, les violences policières, par exemple, on a toujours tendance à croire à tort que c'est maintenant qu'il y en a de plus en plus, que la police est plus sévère et plus. Voilà, fait énormément de. Il y a des crimes, parce que moi, je n'aime pas appeler ça des bavures, ce n'est pas des bavures, malheureusement, il n'y a pas que des bavures, c'est beaucoup de. C'est des crimes, en fait. En fait, non. Dans les quartiers populaires, ça fait plus de 60 ans, hein, si je remonte à la création de la police nationale seulement, qu'ils subissent en fait ces violences policières. Et souvent, les peu de cas qu'on a entendu parler, c'est pas parce qu'il y en avait moins avant, au contraire, c'était pas médiatisé. Il y avait personne qui en parlait. Donc moi, je pense pas qu'il y en ait plus aujourd'hui qu'avant. Même au contraire, avant, justement, je pense qu'il y en avait même beaucoup plus parce qu'il y avait moins de réseaux et on pouvait moins en parler, on ne pouvait pas filmer. Et d'où l'importance, justement, des vidéos parce que ça reste, malheureusement, c'est triste à dire, mais la parole des familles de victimes, elle ne vaut rien. Et c'est par les vidéos que les gens ont ouvert les yeux. Donc, pour cette proposition de loi sécurité globale, la présence des familles, elle est primordiale, en fait, quoi, les familles de victimes, parce que c'est un des éléments qui vient appuyer le fait qu'il y ait des enquêtes. Souvent, s'il n'y a pas ces vidéos-là, il n'y aurait pas d'enquête. Enfin, il y a beaucoup de cas qu'on n'aurait jamais su, comme, bon, les gens, ils ont ouvert un peu les yeux avec Floyd, avec Michel et tout, mais comme on dit, Michel, il n'aurait pas été filmé, il aurait été en prison, là. Donc voilà pourquoi c'est cette jonction, en fait, qui se fait naturellement. C'est la continuité, en fait, de leur combat. Tu as tout à fait raison, et pour continuer là-dessus, il y a un cas qui apparaît d'ailleurs à ce titre sur la question des vidéos, de l'importance des vidéos, qui apparaît tout à fait emblématique, c'est celui d'Ibrahim Abba, et notamment donc, dans les dernières mobilisations, que ce soit autour du collectif Adama, mais même régulièrement, on entend souvent donc, dans ces manifestations, justice pour Ibo, on veut les vidéos. Pourquoi est-ce que tu peux revenir rapidement là-dessus, sur ce cas en particulier? Oui, alors je vais faire un petit bref rappel de l'histoire de Ibo, en fait. Donc Ibrahim Abba, qu'on appelle Ibo, il avait 22 ans et le 6 octobre 2019, il a été tué par les forces de l'ordre. Il y a eu tout plein de choses qui sont vraiment pas acceptables. Enfin, la version mensongère des policiers, les témoins qui contredisent mais qui sont pas écoutés.
Il y avait justement, en parlant des caméras, bah, trois caméras de télésurveillance dans l'espace public qui n'ont toujours pas été visualisées par la famille. On n'y a pas accès. Donc voilà, c'est l'élément clé pourtant qui peut mettre la lumière sur cette affaire. Les familles, on les criminalise par la suite. Enfin, il y a plein d'attaques qui arrivent. Et ce qui n'est pas normal, parce que ces familles-là, elles demandent juste la vérité, en fait. Elles demandent juste à connaître, à savoir ce qui s'est passé. On fait passer les familles de victimes pour des personnes qui appellent à la haine contre les flics. Ce n'est pas vrai. Ces familles-là, pour les suivre de près, on sait qu'ils veulent juste connaître la vérité, en fait. Et malheureusement, ils sont à un stade où ils sont obligés d'enquêter eux-mêmes, ce qui n'est pas normal dans un pays de droit, en fait. On est limite en train de faire le rôle enfin, de ce qui doit être fait par la justice naturellement. Il y a des caméras, il y a des témoins, on les écoute, on fait une enquête. Et ce n'est pas le cas. Tout est camouflé. Dès qu'il est moribond, il a été criminalisé. On l'a accusé d'avoir volé sa moto, alors, ce qui n'était pas vrai. Alors les médias, par contre, ils sont là pour parler de la vidéo enfin, de la moto qui a été volée. Mais quand on arrive à prouver que ce n'est pas le cas, qu'elle est justificative, que la moto a été bien achetée, ben là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de médias, en fait. Donc tout ça, c'est volontaire, c'est systémique, ils sont protégés et ils cherchent à protéger en fait leurs policiers en fait, parce que voilà, ça fait partie de leur corps. Et l'importance des vidéos, pourquoi la famille d'Ibrahim Aba, ils sont venus manifester lors de ces dernières manifestations contre la loi sécurité globale, parce que justement, ils sont en plein milieu de ce problème-là. Mais pourtant, il y a une chose que pour eux, c'est pas. Même si cette loi, elle ne devait pas passer, ce n'est pas une victoire. Parce que même quand il y a des caméras, même quand il y a des vidéos, ils arrivaient toujours à la détourner, à faire en sorte que. Alors, ils ont une panoplie d'excuses, hein, soit enfin, elles ne fonctionnent pas, soit elles sont pas exploitables. Donc voilà. Déjà, même avec les vidéos, c'est très dur. La justice trouve toujours des excuses, trouve toujours une manière de contourner ça et les familles n'ont jamais gain de cause, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que leur implication dans ces manifestations, parce que vraiment, ça touche. C'est vrai que leur histoire, elle est emblématique, mais c'est pas que eux, malheureusement. Il y a beaucoup d'endroits où on aurait eu des caméras, on aurait su ce qui s'est passé. Par exemple, je peux citer, je sais pas, Lamine Dieng, on l'a vu pour George Floyd. Donc les gens, ils sont révoltés. Ah oui, c'est vrai que la police a fait des choses, ben on l'a vu. Mais ça fait 13 ans qu'il y a une famille qui se bat pour dire que ce qui est arrivé à George Floyd, c'est ce qui est arrivé à Lamine Dieng, en fait. Mais qu'il n'y a pas de caméra. Donc voilà, les gens, en fait, même s'ils entendent, ils écoutent la famille, ils ont de la compassion, mais il y a toujours des doutes dans leur tête, en fait. J'imagine que vous serez également présent samedi, mais est-ce que donc côté famille de victimes, plus largement, bon, tu nous as déjà donné des pistes là-dessus, mais vous serez également, j'imagine, partie prenante de cette mobilisation à venir autour de la question de la loi séparatisme? Alors après, les familles des victimes, en fait, elles ont chacune leur manière de mener leur Bien combat. sûr. Donc il y en a qui sont beaucoup en retrait, qui vont plus voilà, être très discrets, d'autres qui ne combattent pas du tout parce que c'est dur pour eux. Et oui, après, il y en a beaucoup qui viennent dans les manifs. Là, je pense que la plupart viendront parce qu'en fait, ils viendront pour parler en leur nom, pour porter leur propre voix, en fait. Et pour ne pas aussi que d'autres personnes en fait, prennent la parole pour eux. Et c'est un peu ce qui se passe enfin, dans les médias. Les médias, par exemple, là, ils vont être là, ils vont être autour d'eux. Ils instrumentalisent, en fait, les souffrances de ces familles, tout ce qui se passe dans les quartiers populaires et tout, quand il y a de la visibilité. Enfin, ils donnent de la visibilité quand c'est exposé. Là, c'est le sujet, donc ils sont là. Donc ces familles-là, elles le savent très bien que là, oui, il y aura les médias, ils vont s'intéresser à eux, ils vont venir. Mais après, ces familles-là, elles savent très bien aussi que malheureusement, une fois que tout ça sera fini, bah, elles vont se retrouver seules, elles vont se retrouver isolées, elles vont se retrouver, enfin, avec les médias qui ne s'intéressent pas du tout à eux. Après, heureusement, il y a des médias indépendants, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais voilà. Donc du coup, voilà. Et leur combat, c'est vrai qu'on les réduit souvent aux violences policières. Mais c'est pas ça. Ces familles-là, elles militent en fait pour tout. Elles font de la prévention dans les quartiers populaires.
Elles subissent tellement de choses. Il y a des répercussions sur leur vie privée, sur leur vie professionnelle. Dernièrement, on a eu un licenciement d'un des membres d'une famille. Enfin, plein de choses comme ça. Il y a des familles qui se détruisent à cause de ces combats et tout. Donc, ces familles-là, ils sont dans tellement de combats que pour moi, voilà, c'est logique qu'ils soient là aussi. Et ils luttent vraiment partout, en fait. Et pour ce qui est de la loi, bien sûr, ils la combattent. Hein, et, voilà, mais pour eux, par exemple, je sais que beaucoup le disent, c'est toute la loi qui a réformé, en fait. C'est vraiment toute la loi. Et on réduit aussi la liberté d'informer, la liberté d'expression, tout ça. Enfin, là, on les réduit beaucoup aux journalistes, alors que non, ils le disent, ils font, c'est le privilège de tous les citoyens, en fait. Donc voilà pourquoi ils savent qu'il faut, que c'est important d'y être. Et que je pense pour la plupart, ils vont venir. Après, c'est pas parce que toutes les familles ne viennent pas, qu'ils se tiennent pas, comme je dis, ils sont vraiment dans tous les combats parce que déjà, ils n'ont pas le choix, en fait. On sait que toutes ces lois-là, elles visent ces personnes-là, elles visent ces quartiers-là en particulier, enfin, une couche assez précise, on va dire. Donc après, voilà, moi, ce que je peux, moi, rajouter là-dessus, c'est, en fait, ils ont besoin de soutien tout le temps. Et là, c'est ça enfin, qui leur fait un peu peur. Mais enfin, je pense qu'ils savent. Voilà, une fois que tout s'éteint, toutes les caméras partent, en fait, ces familles-là, elles continuent. En fait, ces mobilisations, elles sont là tout le temps. Et on n'a pas de date à donner. On n'a pas d'événement précis à préciser. Parce que leur combat, c'est tous les jours. Donc, voilà, eux, ce qu'ils aimeraient aussi que ces médias-là, leur message, c'est oui, ne soyez pas là que quand c'est à Paris, que c'est grandiose comme ça, en fait. Quand il y a un meurtre à tel endroit, venez. Il y a des choses très graves qui se passent. Et juste l'histoire des caméras, c'est surtout chez nous, en fait. On n'a quasiment jamais accès aux caméras. Quand la police, elle est innocente, le soir même, elle sort les caméras, comme on l'a vu il y a quelques mois à Montigny, où un jeune avait été tué. Donc tout le monde pensait que c'était la police parce qu'ils n'étaient pas loin. Bah, le soir même, comme ils n'étaient pas impliqués, ils ont montré le soir même les caméras à la famille, en fait. Enfin, voilà. Et alors que voilà, comme la famille d'Ibrahim Aba qui se bat encore aujourd'hui, qui n'a pas les caméras, tout ça, c'est des preuves de culpabilité, en fait. Et c'est voilà, c'est pour dire que en fait, les choses très graves, elles se passent aussi chez nous. Donc, moi, je suis contente hein, quand je vois le peuple descendre dans la rue à Paris et tout, mais c'est quand même un peu décevant dans le sens où quand c'est dans les quartiers, en fait, il y a eu la commémoration pour Ibrahim Aba le 10 octobre 2020, pour les 1 an. On n'avait que des médias, en fait, indépendants, en fait. Donc peut-être que je m'égare un peu du sujet, mais voilà, pour dire que leur combat, il est global, il est général, et c'est pas, ils n'ont pas attendu cette loi et que ils ont besoin d'être soutenus. Et franchement, c'est par eux que ça passe, au fait. C'est par eux que ça passe dans le sens, eux, ils subissent vraiment tout de plein fouet.